choses ont changé depuis qu'on s'est vu. J'avais des jambes. Vagabond, il porte une armure très résistante. De grandes épées font partie des ennemis les plus forts qu'on ait rencontrés. Sont-tu, veux-tu? Non, j'avais parlé des vagabonds, je sais pas si c'est au front. Ok, cool. Sympa. Bah du coup on a détruit la pierre. Niveau 5 partout, j'aime pas. Ah sympa. Non, pourquoi je passe par là? C'est plus long. Enfin, on va sauter directement. Fais pas chier, dragon. Oh, qu'est-ce que... Avec le dragon qui crache dessus quoi. Tour. Dragon. La réponse est est-ce... Non, la question est-ce qu'elle est morte? Putain de dragon à la con, sérieux. C'est le dragon qui vient de me tuer. J'espère qu'on n'a pas à refaire... Ouais non, c'est bon. On n'a pas à refaire le gros. Je suis bloqué comme un con. Là, je devrais plutôt crever en fait pour recommencer. Là, j'étais con. Ouais, on recommence, c'est pas grave. J'ai cru pouvoir passer à côté du mec au marteau, mais en fait, je me suis bloqué entre le marteau et le pilier, c'est bien. On va se concentrer sur sur la sorcière. Où est l'autre?
dragon, tu te calmes. Oh la vache. Je crois qu'il est en train de faire son soup. Oui. Oui. Vas-y. Vas-y. Voilà, vil petit être. Eh bien, devenir un dragon n'a pas arrangé son caractère. Modéré d'obtenir un atout glace. Voilà, ça s'est bien passé. C'est plutôt bien passé. C'était un tout petit endroit. Je pensais que ça allait être plus grand, mais en fait, non, c'est tout petit. Faut que je change de rune, tiens. De quoi tu parles, Goldo? J'en dois devenir... Ah, ça c'est bien ça. Ah, c'est cool. J'en ai vu assez pour connaître les armes de Kratos. Ok, on va continuer notre exploration. On va se balader un peu. Je vais voir si on peut pas augmenter un truc de niveau. On a 28 000 points d'expérience. On a 28 000 points d'expérience sur la vache. On a 28 000 points d'expérience. Alors. Ça c'est bien. Bah voilà. Ah ça, ça c'est bon ça. J'en reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants, et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est ni dieu ni géant.
Wow. Une fois Fjörgyn parti, attends, on est où? Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ses bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya et elle lui a appris une partie de la magie vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. L'aperçu qu'il avait eu de la magie vanne l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. Ok. Faire descendre le moulin sur le coffre, je pense. Comme, et après on le fait péter. Oh merde. Okay. Ah, je peux pas contrer. Allez, contre. Oh, regardez-moi tous ces loups, c'est énorme. Ah, c'était pas mal, hein? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Je suis d'accord. Pour l'instant, les loups, c'est top. Hein. Ah, c'est bloqué ici. Est-ce qu'on peut monter? Ah. Ok, tu viens de les louper ou quoi? Gamin! Putain d'abruti, viens ici! J'adore ces petits puzzles, ils sont pas durs mais ils sont... Faut quand même un peu réfléchir et c'est bien. Par contre lui je vois pas trop comment on peut y aller. On peut y aller de l'autre côté? Ouais. Okay. Hop là. À résistance dégâts du givre.
Enfin, pour l'instant, on s'en fout. Je sais plus où. Non, c'est en bas qu'il faut faire exploser, je crois. Allez. Pas mal ça. Les éliminations à la hache réussies octroient un accès de rage. On va test. On va voir si c'est bien ou alors. Moi j'aime bien l'éclat de tonnerre là, c'est pas mal. Et puis les stats sont vachement élevés. On a de la force, de la rune et je sais pas quoi. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Après l'histoire, après. Pourquoi aller vivre en ermite dans les bois? Assez, plus d'histoire, pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard. Oh merde, ok. Ok. Le mec, incroyable. Okay, là, on a du niveau 6 et 7. Ça va, on va rien. Son attaque, ok. À la limite, je préfère quand même le pommeau avec l'éclat éclair. Hein. Je suis pas super. C'est pas comme si on avait 3 milliards d'ennemis à tuer en fait, à chaque fois. Je pense que c'est mieux de rester sur l'augmentation de l'attaque. Enfin, avoir une chance de faire des dégâts en plus. Ils sont où tes potes? Oh,
lui par contre il va être chiant. Surtout qu'il est niveau 6, il doit sûrement me one shot. Ouais. Ou pas. Leur attaque est puissante, mais sur ce côté. Ok, ça, c'est bien. Signe gravé de bravoure. Le rocher est trop puissant. Juste un tout petit peu. Bon, mais j'avoue que même on était genre niveau 2 ou 3 et on faisait énormément de dégâts au niveau 6. C'est vrai que c'était un peu abusé. Un, deux, et il nous manque une troisième. Là. Ah, faut baisser la... Non, faut monter peut-être. Mais du coup, je passe par où? Si je baisse le grillage. Gamin, c'était juste, hein. On a failli t'écraser, hein. Je vais pas dire, mais... Peut-être bouger la roue avant. Ah, c'est pour passer avec le bateau, je crois. Et après, on revient ici. Ah putain, pour une fois, c'est un peu chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais... Beaucoup de choses pour un coffre. On récupère ça. D'accord. Le mariage entre Dan et Priya n'a pas duré. L'histoire après. Pourquoi aller vivre en ermite dans les bois? Oh, c'était particulièrement cruel, même de la part d'Odin. Comme si le mariage n'était pas une punition suffisante. Il ne méritait pas une femme comme Freya. Assez, peu d'histoire, pas à pied. On se concentre sur la route. Je comprends parfaitement. On finira plus tard, petit. Hop. Mimir, ferme ta gueule. Merci. T'es mieux. Oh la vache, faut aller vite, putain. J'ai vraiment du mal à faire ça à chaque fois avec la... C'est pas un coffre, c'est une porte. J'avais même pas capté. Okay. Alors, lancer deux haches Léviathan, fais voir. C'est pas mal ça. Ah ouais, non, mais c'est du R2. Ah non.
Non, non, non. C'est une attaque runique puissante. À la limite, si c'était une attaque runique faible, je l'aurais changé, le lancer de hache. Mais là, non. Non, non, l'attaque puissante, elle est trop bien pour le moment, ce qu'on a. En plus, c'est au maximum. Maintenant, on peut écouter l'histoire. Je vois quelque chose. Mimir, tu nous racontais pourquoi Freya a dû vivre dans les bois. Oui, elle a épousé Odin. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son peuple. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses, et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Oh, comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui restait-il alors que la réclusion? Pauvre Freya. À sa place, je t'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi. À la place, je t'aurais craché dessus aussi. Je sais pas où on va, hein. Exploration, quoi. En pleine exploration. Je me demande si on y est déjà... pas déjà allé là. Si, si, on connaît là. Si, on connaît. J'ai rien dit. On repart. C'était pour. Je crois que c'est la. L'endroit de du château Roanin, peut-être. Demi-tour. Mimir, il y avait une fresque consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Ah, il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Orvandi. Je peux te raconter cette histoire plus tard. Plus tard.
progresse. Bloqué par des racines, sympa. Du coup, on va où là? Dessus. Descends. Kratos. Plus Nero. Nero, tu spoil un peu trop par contre. Ah, il y a ça à activer, je pense. Parce qu'il y a la rune là. Ouais, ce sera pour plus tard, je crois. Ah, c'est là qu'il faut sauter, ok. Cool. Ça marche, Nero. Ouais, il va falloir activer ça plus tard, je pense. On a toujours un objet à récupérer, je sais pas par où. Ah putain, c'était où? Non. C'est de l'autre côté. Ah, c'est là-bas. Je crois. Non. C'est à gauche. Bon, bref. On verra ça après. Genre qu'on va devoir combattre. Ça sent le combat. Elfe noir. Derrière toi. Attention à vous. Il est chiant lui.
Oh, il lui a mis un coup de tête. Il n'est pas mort, ok, d'accord. Ok, là par contre, là tu me fous dans la merde. Non, ça va pas. Attention, père! Tout en étant aveugle. Casse-couille. Ah, parce que lui il se déplaçait comme le boss qu'on a eu là. Le roi là. Là c'est un chef. Ah, on est de retour ici avec le géant mort, je me rappelle. Ah, fais chier, ok. Pas de vie, parce que... Sois prudent, père. Merde. Je suis pas bloqué. Non, je suis toujours pas bloqué, c'est ma faute. J'oublie son attaque imparable, putain, quand je tape. C'est casse-couille. Chaque fois quand je l'enchaîne, quand je commence à l'enchaîner. Bon, maintenant il nous one-shot plus, mais. Mais c'est toujours aussi chiant, quoi. Faut que j'y pense à chaque fois. Ah, c'était là.